Les orties, c'est vraiment excellent. Mais je le frotte comme ça. Et je le mange comme ça. Et tu prends que le. Que les sommets, oui. Que les sommets et tu manges. Quatre feuilles. Hein. Et tu n'as pas peur d'être. Ah non, ça pique pas du tout. Non, donc en frottant. Tiens, je vais faire. Voilà, plein d'odeur, plein de vitamines. Ah, ça pique, ça m'a piqué. J'ouvre. Pas complètement, un peu. Je pose d'haricots. C'est tout mélangé, c'est toute espèce, mais c'est crimpant. Prends un bâton. Violet aussi. Déjà. Pendant que les autres sèment. Oui, moi je récolte. Oui. Mais les pommes de terre viennent partout, aussi spontanément, par les fleurs, par les graines. Deux types de pommes de terre. Deux espèces. Violet. Première fève. Voilà, les artichauts vont venir. Très bientôt. Oui, il est petit, tout petit. Dans deux semaines, ils sont grands. Ça, c'est le livèche ou céleri perpétuel. Donc, ça pousse tout le temps, on n'a pas besoin de semer, c'est très fort. Ce que je fais, je creuse 40 cm, je pose le bois. Des troncs d'arbres, de préférence non pourris, parce qu'ils vont pourrir tout seuls. Et entre le vide, on frotte le bois pourri, parce qu'il ne faut pas de vide. Il faut bien remplir. Et après, les 40 cm de terre qui sont à côté, je vais le mettre sur le bois, et il vous reste 20 cm au lieu de 40. Donc ça donne un peu de ça, comme ça. J'ai creusé 40 cm. Ce bois. Si c'est plus petit, parce qu'ici il y a deux niveaux, mais on peut faire trois niveaux. On peut aplatir ici. Donc la terre, 20 cm, et puis 20 cm de feuilles. Ça peut être de tout, hein. Ça peut être le foin aussi, ou la paille. Donc j'ai fait des jardins sans eau. On peut le faire parfaitement sans eau. Ce que j'ai fait maintenant, parce qu'il faisait très sec pendant 15 jours, et j'ai semé des carottes. Donc ça, j'étais obligé d'arroser uniquement les semences de carottes. Mais une fois sorti du sol, c'est terminé. Donc je ne tourne pas la terre, je ne donne pas le fumier. Il n'y a pratiquement pas de mauvaises herbes. S'il y a, on peut le facilement retirer. Grélinette, ça, non, on ne touche pas la terre. Je ne sème pas avec la lune, il n'y a pas de rotation des plantes. Il n'y a aucune préparation à faire, donc ni avec des orties ou qu'est-ce qu'il y a, la prêle, des choses comme ça. Et il n'y a pas de souci de voisinage des plantes. Tout le monde va très bien dans la nature. Je peux m'imaginer qu'un jardin peut mieux fonctionner avec des plantes sélectionnées sur le voisinage quand la terre est cassée avec le labour. Donc, en tournant la terre, on déclare la guerre à la terre, chaque fois. Peut-être une ou deux fois par an. On tue tout, on casse tout. Donc, ce déséquilibre, peut-être on peut le récupérer en faisant une combinaison avec certains plants pour qu'ils poussent mieux. Mais sur but comme ça, tout le monde trouve son nourriture et son bon voisinage.
C'est ça que j'ai vu ici.